Cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir, tu es un scélérat.
toi qui nous arraches à cette vie présente, mais plus que nous mourons par fidélité à ses lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse : c'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sous le point d'expirer, il parla ainsi : mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu. Tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. Parole du Seigneur. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Deuxième lecture. La deuxième lecture est extraite de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, du verset 16 jusqu'au chapitre 3, les cinq premiers versets. Dans cette deuxième lecture, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Thessalonique de prier pour demeurer dans la foi et l'espérance. Écoutons. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course
et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux hommes pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. S'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eu pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans les récits du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac,
Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi. Frères et sœurs, le mois de novembre est pour l'Église une occasion spéciale de contempler et de méditer sur le mystère de la foi en la résurrection des morts. Les textes de ce jour sont vraiment d'un grand enseignement pour comprendre ce mystère. La radicalité de la mort et l'ignorance de ce qui se passe après, nous fait naturellement rejeter l'idée de la mort au plus haut point. En fait, le mouvement naturel de nos corps qui fuit le danger est un signe que nous ne sommes pas destinés à mourir. La mort est pour celui qui est ignorant un plongeon dans l'inconnu, un saut dans le vide, dans le néant. C'est la raison, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous craignons la mort. C'est cette idée que partage le roi que nous avons écouté torturer les martyrs d'Israël dans la première lecture. Pour lui, la mort est un alibi pour imposer sa volonté. La mort, la menace de la mort et la mort dans la souffrance est utile pour lui pour imposer son autorité sur les personnes. Il impose sa volonté en disant « Si tu ne fais pas, tu vas mourir. Je vais te tuer. Et je vais te tuer dans la souffrance. » Et ça marchait avec ceux qui n'ont pas la foi en la résurrection. Aujourd'hui, dans le texte que nous avons écouté, il fait face à des gens qui ne sont pas ignorants. Il fait face à des gens qui ont une foi solide. Il fait face à des gens qui ont mis leur confiance en leur Dieu. La paix du Christ. Ce qui fait que la menace ne marche plus. La menace est plus efficace. Elle ne porte plus du fruit. Cette mère et ses 7 enfants sont vraiment des modèles qui nous montrent l'attitude que chacun d'entre nous, chrétiens, chrétiennes, devons avoir face aux vanités de ce monde. Et ils vont jusqu'à donner leur vie avec des témoignages qu'on dirait impossibles. Voilà un qui arrive, qui présente sa bouche, sa langue, parce qu'il coupait les langues. Voilà un homme qui présente ses bras, et ainsi de suite, avec un témoignage de plus en plus courageux. Et le texte nous dit même que le roi est en émoi face à un tel témoignage. Étant complètement au-dessus de cette conception morbide de la mort, qui est en fait un néant qui ne mène à rien, cette maman et ses jeunes enfants, affermis par leur foi en la résurrection et la résurrection en Dieu, ne vont pas abandonner cette foi, mais vont la défendre
jusqu'à offrir leur vie. Voilà, frères et sœurs, ce que nous montre la première lecture que nous venons d'écouter. Les Sadducéens de l'Évangile, eux, sont plus vus comme des intellectuels qui ne cherchent plus la vérité. Ils ont une idée de ce qu'ils croient et tout ce qu'ils cherchent, c'est prouver, c'est de trouver les arguments pour justifier ce en quoi ils croient. Et les Sadducéens ne croient pas en la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle ils proposent à Jésus, afin que Jésus confirme leur pensée, cette image. Moïse nous a enseigné que si un frère a un autre frère, lui marié, et que ce frère meurt sans donner d'enfant, la loi demandera à ce frère d'épouser la veuve pour donner des enfants au nom du frère qui est décédé. C'est dire que le mariage est ici pris dans le sens qu'il est fait pour engendrer la vie, pour perpétuer le nom de quelqu'un, pour générer l'existence. Donc, si une femme épouse un homme et n'a pas d'enfant avec lui, en épouse un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et n'a toujours pas d'enfant, le fait est qu'elle aura eu, entre guillemets, consécutivement, 5, 6, 7 maris à l'infini. Au ciel donc, comme Jésus, vous affirmez qu'il y a la résurrection des morts, au ciel donc, de qui sera-t-elle épouse? Voilà la question que pose le Sadducéen à Jésus. Une question, frères et sœurs, qui nous montre vraiment comment ces Sadducéens envisageaient la vie éternelle comme une simple suite de la vie d'ici-bas, comme une simple continuité de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que tous les problèmes, tout ce qui est mauvais, vaniteux dans cette vie, continuerait dans la vie d'après. Donc, comme ce n'est pas possible, comme c'est absurde, il n'y a pas de résurrection des morts. Voilà le raisonnement des Sadducéens. Ils nient la résurrection des morts parce qu'ils la voient comme une simple suite de la vie d'ici-bas. Ce sera donc l'occasion pour notre Seigneur de corriger cette conception morbide de la vie éternelle. La vie éternelle, frères et sœurs, n'est pas une simple continuité de ce que nous vivons ici-bas. La vie éternelle n'est pas un simple passage dans lequel on emporte tous nos problèmes ici-bas. Non. Dans la vie éternelle, il n'y a plus des problèmes d'héritage. Il n'y a plus des problèmes de terrain. C'est mon terrain, ah non, comment tu m'as laissé, c'est ton terrain, non. Il n'y a plus de problème d'argent, problème de banque, les économies, voilà. Il n'y a plus de problème de nourriture, je vais manger quoi demain, je souffre, problème de maison, je dois aller louer. Dans la vie éternelle, frères et sœurs, il n'y a plus tout ça. Ce qu'il y a dans la vie éternelle, c'est la paix. Ce qu'il y a dans la vie éternelle, c'est le bonheur parfait en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni peine, ni douleur, ni tristesse, ni angoisse liée aux choses vaniteuses du monde. Il n'y a plus que la vie éternelle en Dieu. Et le Seigneur le justifie en citant Moïse, qui, quand il s'adresse à Dieu et entend comment Dieu se présente à lui dans l'épisode du sort, Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Or, nous savons qu'Abraham, Isaac et Jacob sont déjà morts à cette époque. Donc, quand Dieu se présente à moi comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, il se présente comme un Dieu de gens qui sont vivants, pas des gens qui sont morts. Parce que s'ils sont morts, ça n'a plus aucun sens de se présenter par leur nom. C'est l'exemple que prend notre Seigneur dans l'évangile de ce jour. Pour justifier le fait qu'Abraham, Isaac et Jacob et tous ceux qui croient en lui, quand ils meurent, vivent éternellement. La belle Christ. Donc, mes frères et sœurs, nous devons bien faire attention quand nous considérons les choses de ce monde. Les choses de ce monde ne sont utiles vraiment que pour ce monde. Elles ne sont pas utiles pour la vie d'après. Tout ce que je fais aujourd'hui, mes avoirs, mes possessions, mes gloires, mon pouvoir, mes succès humains et mondains sont peut-être utiles pour ce monde, mais sont totalement vaniteuses pour le monde d'après. Et on le voit bien, généralement, pour des gens qui ne craignent pas Dieu, quand un parent décède, les tout premiers à arriver dans la maison des parents, au lieu de s'occuper du mort, au lieu de pleurer leur défunt, courent d'abord dans les appartements, dans les chambres, récupérer les avoirs, les objets précieux. Et après seulement, viennent faire semblant de pleurer. Quel est le regard de ce papa, de cette maman, de cet homme, de cette femme qui est déjà esprit seulement, quand il te voit agir ainsi, il se rend compte que lui-même, qui a peut-être idolâtré ces choses, ne les possède plus, mais est encore plus attristé de voir que son fils, sa fille, en venant le pleurer, va d'abord, vaniteusement, récupérer les biens matériels qui ne lui servent plus à lui aujourd'hui. C'est un drame, frères et sœurs, d'être face à la mort, c'est-à-dire à la signification radicale, concrète de la vanité des choses, et de courir encore plus vers ces choses. C'est un drame. C'est une tristesse humaine. C'est un malheur. De voir la mort et voir que quelqu'un n'a plus besoin de ces choses et de courir. On devrait plutôt pleurer sur la vanité du monde, sur l'inimportance des choses, et se concentrer sur ce qui est essentiel. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, la richesse pour soi seul ne vaut rien. L'avoir pour moi tout seul ne sert à rien. Le fait de posséder des richesses, d'avoir des succès, pour moi seul, ça ne produit rien. Parce qu'à la mort, je n'aurai plus toutes ces choses. Elles vont tout me quitter. C'est ce que le pape François, dans sa lettre, à l'occasion de la journée mondiale des pauvres, appelle la pauvreté qui tue. C'est-à-dire la pauvreté des gens qui, égoïstes, ne veulent pas accorder à leurs frères et sœurs de vivre dans la dignité. Je prends tout, je m'accapare tout, je ne donne rien à personne. Je suis témoin de la misère et je ne fais rien. Je ne suis plus sensible, je laisse faire le mal. Je ne me bats pas pour la justice, pour l'équité,
pour que tous puissent avoir une vie digne. C'est une grave pauvreté humaine et beaucoup en sont. Il y a une deuxième pauvreté dont parle le pape dans son message. C'est la pauvreté qui élève l'âme. La pauvreté qui humanise. C'est la pauvreté, frères et sœurs, de celui qui a quelque chose. Et dans cet avoir, coupe, divise en deux pour donner à celui qui n'a pas. L'appel du Christ. C'est celui qui a une richesse, mais sait bien que ces richesses-là ne lui sont pas destinées à lui tout seul. Il partage. Parce que, à terme, elles ne lui serviront pas. À quoi ça sert d'emmagasiner des milliards et des milliards et après mourir pour que les gens viennent se disputer pour les avoir? À quoi ça sert de se battre toute une vie pour construire 10, 15, 20 maisons, avoir 5, 10, 15 voitures et ne pas en faire grave au lieu de donner à ceux qui n'en ont pas pour que nous tous, nous soyons heureux, vivons dignement? La vie est déjà en soi difficile, que si on ajoute encore à cette difficulté l'avarisme, alors on empire ce que nous vivons. La véritable pauvreté qui élève, c'est celui qui décide de se débarrasser de ce qui est superflu pour faire la charité, pour se créer des relations, pour se créer une chaleur. Il y a une froideur, frères et sœurs, de celui qui est riche et qui est seul dans sa chambre, dans sa maison, dans une maison, certes somptueuse, mais froide. Il est seul, assis, dans un salon somptueux, mais il est seul. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de vie. Il se complaît là, mais il est pauvre. Il se meurt. Mais quelle joie d'être dans une famille où vous avez une maman qui est là, qui se bat pour nourrir tous les enfants. Et tous sont là, ils rigolent, ils sont dans la joie. Ils mangent le peu qu'ils ont, ils prient ensemble, ils confient à Dieu. Cet amour-là est inestimable. Inestimable. Et beaucoup parmi nous, frères et sœurs, l'ont vécu. Et le vivre peut-être aujourd'hui. C'est inestimable. Avoir des frères et sœurs que j'aime et qui m'aiment, ça, Dieu ne vendrait cela pour rien au monde. La paix du Christ, pour rien au monde. C'est ce message de la vie éternelle qui commence déjà ici-bas que le Seigneur veut nous donner en ce dimanche. Si je me suis écarté de mon frère et de ma sœur, de ma mère, de mon père, ou de ma consœur en communauté, de mon confrère en paroisse, à cause des richesses, que ce message d'aujourd'hui me touche et me convertisse. Que je dise devant mon Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai été orgueilleux et égoïste. Je me suis battu. Mon frère et moi, nous nous sommes entretués à cause de cet héritage qui est en fait une vanité. » Je demande pardon et je te demande la grâce d'aller me réconcilier avec mon frère, avec ma sœur. Que l'Esprit Saint, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne particulièrement en ce mois de novembre destiné à la prière pour les défunts, nous accompagne sur ce chemin de conversion. Amen.
débat de l'importance de quand nous professons notre foi en la vie éternelle avec notre Dieu. Je crois en Dieu. Seigneur, poursuive sa course. Seigneur, nous te confions ton Église universelle. Que tes pasteurs restent fidèles dans l'annonce de l'Évangile et continuent de répandre l'espérance en la résurrection. Ensemble, prions le Seigneur. Échappions aux gens pervers et mauvais. Seigneur, nous te confions les dirigeants des nations, particulièrement ceux de notre pays, le Gabon. Qu'ils renoncent à toutes sortes d'abus d'autorité, d'intimidation, de violence, de répression, d'exaction et œuvrent pour l'épanouissement de leurs frères et sœurs. Ensemble, prions le Seigneur. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et sœurs en difficulté, les persécutés, les injustement punis, les prisonniers, les opprimés, les désespérés. Que leur espérance en toi, ô Dieu fidèle, ne chancelle point. Ensemble, prions le Seigneur. Affermira et vous protégera du mal. Seigneur, nous te confions notre communauté paroissiale et tous ceux qui sont réunis ici. Que nous obtenions les grâces nécessaires pour une communauté authentiquement chrétienne qui ne se lasse pas de prier davantage les uns
pour les autres. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, chers enfants, c'est maintenant le moment où nous devons offrir à Dieu ce que sa main nous a donné. Chacun peut maintenant avancer et déposer son offrande. Nous commençons par ceux qui sont au fond de l'Église. Suivez les consignes de notre accueil et encadrement, s'il vous plaît. Je suis
Nord, avec son nom de Jésus, le Gadia, qui est au nord, Paul, qui a mal sur vous, Jérôme, Axel, le Coco, Céline, Jabba, Hélène, Magassi, Louise, Matouka, Simon, Pierre, à Amma, Zoko, Marie, John, à Zoko, Jean-Marie, Zabé, Zoko, Isidène, Rémi, Olivier, Serna, Fayi, Zoko, et tous les bénévoles de nos familles. Prions ensemble, frères et sœurs, au nom de Dieu, le sacrifice et toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit avec toi, pour les siècles et les siècles. Amen. Je suis avec toi. Et avec ton esprit. Et pour notre Père. Pour notre Père, Seigneur. Toujours et en mon lieu, Seigneur, Père, notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Les disciples
sainteté. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de notre Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Il est mort le mystère de la foi. Nous avons son amour, Seigneur Jésus. Nous croyons la résurrection. Nous attendons la vie. Faisons ainsi les voies de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui s'est répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité. En union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Baptiste, les mérites Basile et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans la miséricorde de tous les défunts, particuliers pour ceux dont les noms ont été cités autour de cette messe et durant tout ce mois de novembre, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos douze enfants, nous implorons ta bonté. Nous qui peut-être ne croyons pas clairement ou profondément en la vie éternelle, nous qui doutons et peut-être nous accrochons encore au bien vaniteux de ce monde. Nous qui n'utilisons pas peut-être ces biens pour la charité, pour la réconciliation, pour la paix, mais les gardons avec nous, orgueilleusement. Par ton esprit, Seigneur, libère nos âmes et accorde-nous d'utiliser ce que tu veux pour nous-mêmes et aussi pour nos frères et sœurs. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, en tout cas, au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions la grande de ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Amen.
Frères et sœurs, comme nous l'avons traité du Sauveur, et aujourd'hui en particulier pour nos défunts, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, et donnez toujours la paix.
Notre Seigneur. Amen.
La paix du Christ annonce, en vue de la renonce de la CEPD Saint-Élysée, le curé rencontrera tous les paroissiens habitant les quartiers Boulevard Triomphal, Cocotier et Atoin-Pen, le dimanche 13 novembre 2022, après la messe de 8h30. Le dimanche 13 novembre 2022, à 10h30, il y aura une messe pour la Journée internationale des pauvres, présidée par l'archevêque. À cette occasion, un repas sera offert à 5 personnes faibles par la paroisse sous la responsabilité de chaque Caritas paroissienne. Conjointement avec la paroisse Saint-Pierre, la recollection de l'avant aura lieu le samedi 26 novembre 2022 à 8h30 à la paroisse Sainte-Berthe des Sassins. L'Assemblée générale pour le renouvellement des bureaux du Conseil pour les affaires économiques et le Conseil pastoral paroissial se tiendra le vendredi 18 novembre 2022 à 17h. Il est porté à la connaissance des paroissiens que l'école d'éveil de la foi ou initiation chrétienne chez les enfants de 4 à 8 ans a débuté ce samedi 5 novembre 2022. Les rencontres se font les samedis de 15h à 16h, le dimanche pendant la messe de 8h30. À cet effet, les parents sont priés de venir inscrire les enfants pour l'école du samedi, le jour, c'est heure ouvrable du secrétariat de la paroisse. Dans le cadre de la reprise de ces activités, l'aumônerie en charge des communautés ecclésiales vivantes de base, CEPB, organise une formation pour la pastorale des visites le samedi 12 novembre 2022 à la paroisse Saint-Michel de Mémo à partir de 9h. Exception du mois de novembre, mois de prière pour les deux femmes, pour permettre à tous d'offrir des messes durant le mois de novembre, l'équipe presbytérale porte à la connaissance de la communauté paroissiale que toutes les demandes d'intention de messe paroissiale, 6h30, 12h et 17h, ou dominicales pour les deux femmes, seront à 3000 francs pour 5 membres. Les montants d'offrande de messe d'action de grâce, d'intention particulière et de messe chantier restent inchangés. Toutes ces demandes ne se font qu'au secrétariat de la paroisse aux jours et heures ouvrables, de mardi à vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 13h. Notez bien, aucune intention ne sera prise à la sacristie avant la messe. Ceci afin de mieux organiser toutes nos célébrations. Nous vous remercions pour votre bonne compréhension. Inscription au cours des jeunes de service de la table du Seigneur. Samuel, Samuel, Dieu premier servi. Le chargé de la formation porte à la connaissance des paroissiens que les inscriptions et réinscriptions des garçons âgés de 5 ans à 14 ans au sein du mouvement des jeunes au service de la table du Seigneur, enfants de cœur, pour l'année 2022-2023, ont débuté le samedi 24 septembre 2022 et se poursuivront jusqu'à la fin du mois de novembre 2022, de 15h à 17h, sous le clocher. Les pièces à fournir sont la photocopie de l'acte de naissance, deux photos d'identité récentes. Dans le cadre du lancement officiel des activités de l'année scout 2022-2023 au sein du doyenné Sainte-Marie, le commissariat du doyenné informe aux gestionnaires de groupes et unités de son département de l'organisation du conseil des chefs prévu le samedi 12 novembre 2022 à la paroisse Saint-Michel de Guémont à 14h. Solennité du Christ roi de l'univers.
À l'occasion de l'ouverture officielle de ses activités, la pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville porte à la connaissance de la communauté chrétienne qu'elle organise une série d'activités en faveur de tous les jeunes et de leurs responsables jusqu'à la solennité du Christ roi de l'univers, marquant la célébration annuelle des Journées mondiales de la jeunesse à la lumière du thème Marie se débat et partie en hâte. Le chronogramme des activités relatives est établi comme suit. Dimanche 13 novembre 2022 à 8h à la paroisse Saint-Pierre, journée de formation à l'intention de tous les bureaux des coordinations provinciales, des jeunes et coordinations de ces aides des groupes et mouvements. Mercredi 16 novembre 2022 à 16h à la paroisse Saint-Pierre, messe à la mémoire de tous les défunts jeunes de notre archidiocèse. Dimanche 20 novembre 2022 à la paroisse Saint-Pierre, solennité du Christ roi de l'univers, messe d'ouverture des activités présidée par Son Excellence Jean-Patrick Ibaba, archevêque et métropolitain. La pastorale des jeunes invite toutes les CPJ et coordinations des groupes et mouvements à bien vouloir se mobiliser afin de participer massivement aux dites activités qui marquent l'ouverture du jubilé de la voie des jeunes. La paix du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Il est avec notre esprit. Et le Dieu puissant nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Thank you.
TV. Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça.